Bonjour et bienvenue. On continue notre aventure avec notre petite histoire. Donc l'homme qui s'autoproclamait seigneur des pirates. J'ai ça à faire. J'ai aussi celle-là à faire. Ouais, moins 3, moins 4, dans 4 jours. Peut-être que j'utiliserai la Team Helios en fait. On va appeler ça Team Helios et Team Manticore. Parce que les Manticore, elles sont occupées à détruire les trucs qui volent de Behemoth. Ouais, peut-être qu'on utilisera la Team Helios. Ok, donc on est parti pour ça. Le personnel, ça va être le même. Voilà. Avant le Pandora Virus, Abdon Tusk était un milliardaire excentrique, mais mécène de la société UFO, connue pour vendre des assurances contre les extraterrestres et son implication dans le désastre ferroviaire pardon, atmosphérique qui causa la mort violente de 108 personnes. Désormais, le seigneur des pirates autoproclamé, il attaque et il pille les refuges avec son armée de mercenaires. Le Synédrion voudrait que nous l'aidions à l'empêcher de le nuire. Ça marche. Alors, est-ce qu'on reprend exactement les mêmes que la dernière fois ou pas? Toi, Vince, tu vas soigner. En fait, j'aimerais bien. Elle, Madeleine, ouais, c'est une femme. Enfin, c'est un peu difficile. Oui, c'est une femme. Elle a une poitrine. J'aimerais bien l'augmenter. Après, elle a, comme j'avais dit, elle a pas des trucs super bien, honnêtement. Elle est plutôt médiocre en plus. Maintenant que je regarde bien. Plutôt médiocre. Il n'y a que le biochimiste, voir si ça fonctionne, double fonctionnement sur les fusils là. Mais je voudrais l'augmenter, parce que c'est la seule qu'on ait de prêtre. Et pouvoir contrôler des ennemis et les utiliser pour qu'ils nous soignent en fait. Si c'est possible. Donc ouais. On va reprendre les deux snipers. On va reprendre Rosa, Garcia, Del. Et on peut prendre Alexandre. De toute façon, c'est pas comme s'il y avait quelqu'un qui était extrêmement blessé. Donc, ça va. On va reprendre exactement les mêmes personnes. Je sais pas encore bien jouer prêtre en fait. Je sais pas comment. Comment expliquer? Genre, faire des stratégies pour que le prêtre fonctionne super bien. Vous voyez ce que je veux dire? S'il faudrait baisser. Le moral, donc il faudrait utiliser le virus. Genre par exemple Rosa, elle peut vraiment faire ça, mais c'est compliqué sur les cibles de mettre du virus. Après, si je fais l'habilité là qui fait peur de notre prêtre, bah du coup je baisse aussi sa volonté à elle. Donc du coup elle peut contrôler moins longtemps les gens. Enfin c'est hein, un peu compliqué. Hein. Alors, c'est quoi? Ah, mais c'est on dirait une ancienne base. Waouh! Les FPS, par contre, c'est pas trop ça. Ah, mais c'est vraiment une ancienne base Phoenix, en fait, on dirait. Ouh! Ouh, il y a du monde! Ah, c'est pour ça, en fait, la map est super grande. Ils ont 16 de volonté. Toi, tu as 17. Ah! Donc en théorie, tu peux contrôler les gens automatiquement. Point de volonté 8. Point de volonté 20. 16. Ah. Je vais voir, attends 2 secondes que je dise pas de conneries. Contrôle mental. Permet de prendre le contrôle d'un ennemi pour un coup en PvE équivalent au PvE ennemi. Coûte 1, 10 par tour. Ouais, d'accord, il faudrait... Ouais, par exemple, pour les 8, ça va être simple, mais pour les autres, ça va être chaud, quoi. Genre, faut lui couper la tête, en fait, pour baisser la volonté. Mais ce serait pas mal de prendre un mastodonte. Ils ont des grenades, des armes auto. Ok, c'est quoi ça? Ça marche. Ça marche, ça marche. I'm here. Alors...
qui est intéressant, c'est que... I can make a difference. Je vais voir un peu. On va un peu voir ce qu'ils font avant de se déployer. Faut aussi qu'ils s'approchent, les cons, si je veux. Si je veux pouvoir les contrôler. C'est le dernier cri qui traverse les murs et tout. C'est toi qui sais pas tirer, quoi. Déjà en plus. Oh la vache. Il y a des snipers ou pas? Non, hein. Pas impression. Standing by. Ah, un truc que tu pourrais faire, toi, c'est un peu tirer dans le tas. Genre si tu touches, bah tant mieux. Ok. Ready to engage. Moving fast. Que bon, un virus, c'est bien. Alors si t'arrives à faire un virus, c'est bien quoi. Ready to fire. Genre là, en théorie, ça leur baissera le moral. Passivement. C'est pas mal. Alors lui, il a plus de tête déjà, ça c'est bien. Et encore une fois, là, si on met du feu partout, plus personne qui bouge, quoi. Toi, tu peux plus utiliser ton arme, déjà. Après, il y en a un autre qui a perdu la tête, je crois. C'est toi. Ouh, toi si t'avances, je peux te manipuler peut-être. Ça va être marrant, tiens, ce combat. Là, ils ont du soin, par exemple, mais bon. Le temps qu'on arrive à eux, ils seront sûrement tous morts. Ça fait beaucoup de gens quand même, hein, par contre. Here we go. Je pense qu'on va les laisser dans le couloir et... Tristement, on va encore utiliser des grenades qui brûlent. Parce que voilà, quoi. Let's go, then. Ah, il y a un sniper. Un peu comment ils sont. Here.
to engage. T'as tué quelqu'un? T'as tué le chef? Oh. Je crois qu'elle a tué le chef. Attends, là je suis... Il faudrait qu'on te place genre là pour que tu puisses ouais non mais laisse tomber la précision c'est pas ton fort quand même hein. Preparing to fire. Toi, on va te mettre là, comme ça t'es accroupi. Channel open. Let's do this. Acquiring target. Ok. Pas grand chose à faire, toi. Target detected. Ready to engage. Ah, ça perce bien ce machin. Ça perce bien. Je vais faire ça juste au cas où. Easy enough. Let's go. Le sniper me fait un peu peur. Dire qu'on a tué le chef. Honnêtement, il devrait se rendre. Ah non, il y a deux bandits. Il y a deux chefs, je crois. Bah... Ouais, non. Bah, je sais pas comment ça marche. Je sais pas comment ça marche, leur hiérarchie. Il y a un disciple d'Anu. Lol. Here we go. Notre tireur. Donc qu'est-ce que tu fous là toi? Je sais pas. Je ne sais pas.
Alors le contrôle mental, ça vaut 1. Oh non, mais sans déconner, je vais arrêter de viser la tête, moi. Ils doivent plus trop avoir de morale. Steel on target. La distance. C'était peut-être un peu trop loin. Est-ce qu'il faut avoir vu sur la personne? Ça, par contre, je sais pas. En plus, ils ont tellement peu d'esprit, de volonté, que je peux leur faire peur. Genre facilement. Un catch-upper. My turn. Ouais, c'est ça, ça me fait un peu peur. Que les snipers soient un peu trop exposés. On s'occupe des snipers en premier, qui restent exposés. Qu'est-ce qu'ils font? Ils montent. Ils peuvent nous tirer dessus d'en haut? Je pense pas. Non, t'aurais pas dû faire ça. My turn. Ah, il est là. La bonne Dusk, là. Okay. Il est tout en Jéricho avec un lance-flamme. Ok, d'accord, ça marche. J'aurais pas cru. D'armure.
par contre, mon mec. Il a 2 sur 12. Ouais, ça va. Ah, il peut soigner. Point de volonté 0 sur 8. Alors, contrôle mental. Donc du coup, là, ça va rien me coûter. Car on lui a... Ouais, car on lui a détruit le moral. Ça va, c'est sympa. Cause la panique d'une cible si les points de volonté sont inférieurs à celle du pâtre. On peut faire ça aussi. Qu'est-ce que je viens de faire? Merde. C'est pas bon ça. Équipement détruit. Ok. Bien. Très bien. Je vois rien du tout. Just a bit off. Je crois que j'ai tiré un peu trop vite. Toi, t'es immunisé au feu hein, au passage. Hein, donc on va peut-être pouvoir faire un petit carnage aussi. Moving out. On a joué la tourelle. Non. Par contre, la tourelle, elle prend cher. Ça m'embête. Ce qui est marrant, c'est qu'elle a pris cher d'un lance-flamme. J'arrive pas trop à comprendre. Tiens, ce qui me fait rire, c'est qu'on pourrait peut-être le... S'il s'expose, on pourrait le contrôler. Ça marrant, tu vois. Right there. Moving out. J'ai envie de récupérer ma tourelle. Ma pauvre tourelle. Pour la récupérer, c'est quoi? C'est un point. Récupérer tourelle. Point d'action 2. Ok. C'est chaud. Oh shit. Ah, t'as okay. Raison. Oh shit.
pam pam pam. C'est marrant ce... cette mission, je la trouve super drôle. Donc, on pourrait faire ça. Je la trouve assez drôle. Par contre, il y a l'autre con qui me... J'avoue que l'autre con me fait chier. Moving now. Toi, t'es immunisé contre le feu ou tu prends juste moins de dégâts? Réduis l'effet des dégâts de feu de moitié. Ok, d'accord, tu prends quand même des dégâts. Ça. Taking a quick break. Pas ma tourelle, hein. Oh, m'a détruit ma tourelle. Il m'a détruit ma tourelle. Il y a encore beaucoup de monde. Watch this. Action. That was glorious. Ça va. T'as combien? Le prêtre il a 12. Le chef il a 8. Un truc qu'on peut faire qui serait drôle. Mais je vais jamais passer l'armure en fait. Je passerai pas l'armure. Ce que je voulais faire c'est lui tirer dans la tête pour lui enlever. Pour enlever la volonté. Du coup, on va faire ça. Voilà, moins 2. Taking action. Tiens, t'aimes jouer avec le feu? Ah non, attends, je peux pas me mettre là. Heading out. Alors, libération. T'as 12, toi t'as... T'as 6 et là c'est 2 par tour, nickel. I hope this helps. Où est-ce que tu vas? Non mais va dans le feu. What? J'ai jamais dit d'aller en haut.
J'ai jamais dit d'aller en haut. Jamais. On aurait pu baisser encore plus le truc. C'est pas grave. We got them. Keep it together, operative. I'll keep my eyes open. Focus. Focus. J'avoue être dégoûté là, hein, parce que le mec il est censé faire appât et tout quoi. Là c'est pourri là. Là c'est pourri. Là. J'étais même pas sur le même niveau, quoi. Voilà, un coup de feu. Oh, évidemment, faut que ça touche la tête. Much more of this looks dangerous. Encore 4, donc encore 2 tours. T'as de l'infection virale. Honnêtement, je devrais même lui mettre une balle dans la tête. Mais bon. Je vois un peu rien en fait avec ce feu. Mais ouais, je devrais lui mettre une balle dans la tête. Identifying target. That's a kill. Très bien. Channel open. Pour l'instant, rien. Attends. On va peut-être lui mettre quelques balles. Moving out. Enfin, après, je crois que peut-être qu'on... On a peut-être pas besoin. Dans le sens où il est considéré comme allié. Du coup, on gagne automatiquement la guerre. C'est comme ceux qui sont paralysés, en fait. Je suis quasiment certain que ça doit jouer comme ça. Mais bon, vu qu'il y a encore énormément d'ennemis...
Ouh, la vache. Qu'est-ce que ça fait mal. Ouais, vu qu'il y a encore énormément d'ennemis, autant... comment dire. Je vais y arriver à sortir les mots. Autant lui faire des dégâts. Moving to position. Si on va pas tuer tout le monde encore. I need a moment. Ça va prendre un peu trop de temps. I need a moment. Taking a quick break. I see them coming. You're gonna get it now. Ah, espèce d'enfoiré qui me voit de là, ok. Attends, ah mais il y a un... t'es sur la plateforme en fait. D'accord. Ok, ok, je vois. T'as des mules ? Ouais. J'imagine que tu dois avoir mune infinie en fait. C'est pas beau ça. C'est pas beau. On peut te libérer. Et se reposer. T'as été utile, merci. What's the plan? I'm here. Qu'est-ce que c'est fun ce truc. J'ai pas deux tourelles sur lui. Non, j'ai des munitions pour tourelle et de la recharge. Ready-ish. Dis-moi si tu loupes ou pas, parce que... Honnêtement, je vois rien, moi, avec ce feu. Donc, lui, on avait une belle vue. Il faudrait qu'on soigne lui, mais je peux pas revenir sans aller dans le feu. Enfin, je crois. Ça. Whoop. Overwatching. No! My turn. Ah, toi tu vas nous faire chier, non? Ah, t'es allé dans le feu. Target hit. Je viens juste de le soigner. Tu fais exprès? Puis on pourrait le contrôler. Channel open. One less to worry about. Wow. Je vais voir un peu. Point de volonté 2. Bah ça va. Bon, c'est vrai que c'est marrant que vous faites le prêtre. Contrôle mental, oui.
Bon, j'avoue que là, on l'a bien pris, en fait. On l'a pris pour une bonne mission, là. Il est où? Il est là. Bon, par contre, j'arrive pas à bien optimiser ce fusil viral, là. En fait, il a pas de pénétration, je crois. C'est ça le problème. Du coup, il est... Honnêtement, il est inutile. J'ai envie de dire qu'il est inutile. Ah oui, point suffisant. J'ai l'impression d'être Terminator qui scanne. Tiens, j'ai plus de munitions. J'en ai pas pris de plus. Ah merde, je t'ai tué. Oups. C'était pas voulu. 5x5. Holding position. I keep my eyes open. En fait, faut les mettre en état, genre, juste avant qu'ils soient parano, là. Attends, on veut faire ça sur toi. Ah, récupère ta tête. Nickel. Par contre, ça t'enlève pas le saignement, étrangement. Bizarre. What's needed? Non, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, faut les mettre au bord de la panique. Genre 0 sur quelque chose, par exemple, de morale. Ça marche bien. Et mais faut pas qu'ils paniquent, parce que si après, si on, une fois qu'ils sont, ils ont atteint zéro et qu'on on les fait paniquer, du coup ils peuvent plus rien faire. Ils vont être bloqués en fait. On va se mettre là pour voir un peu ce qu'il y a. Ils vont être en panique, puis après ils vont récupérer. Bon, c'est deux tours après, quoi. C'est d'abord ils vont paniquer, puis après ils vont se reposer. Ben voilà, ils vont, du coup ils vont récupérer leur morale. Et ça, c'est pas ce qu'on veut. Donc c'est faut timer en plus, hein. Faut vraiment timer, faut faire attention à combien de morale on détruit et tout ça. Enfin, c'est compliqué, hein, de vraiment jouer... I'm going. Le prêtre efficacement. T'as combien de... Genre lui il a 0 sur 20. Si on lui fait baisser encore un moins, il va paniquer. Par contre tu m'embêtes parce que... Ouais, faudrait s'approcher de lui. Je peux le faire paniquer, on monte.
c'est pas bien. Toi maintenant, tu peux faire ça. Où est-ce que tu vas? Ah oui, tu descends pour reprendre l'échelle. Pas mal. C'est pas fini. Je crois que... Oh là là, comment c'est grand. J'avais pas vu. C'est pour ça que je lag. Putain, elles sont belles les armures. Ah, c'est pour ça que je lag. Oh la vache. Ah, il a une belle base, le mec. Hein. C'est pas du confinement, ça. Oui, que je disais, le prêtre, il a pas un système pour voir les gens dans une certaine portée. Cadavres et tout. Et l'autre, on n'a pas besoin de les rattraper parce que normalement, il disait que je récupérais tout. Qui a besoin de soins? Bah, le prêtre, en fait. It's different in the field. C'est vrai. Heading out. Let's do this. Un peu long. Mais c'est marrant, honnêtement, elle est marrante cette mission. C'est sympa. Je me rappelle, je crois que je l'avais fait il y a quelques années. Ça me dit quelque chose, ça. Enfin, la première fois que j'avais joué. Je l'avais fait sûrement en avance, comparé à maintenant. Oh là là, c'est qu'il y a l'étage supérieur aussi. Bah non, mais c'est l'étage supérieur que je regardais en fait. Oh là là, oh la vache. Bon. Doit être un mec planqué. What was that? T'as pure panique. My head. I can't breathe. Let's go. Après, ils ont pas des super armes, ils ont surtout des... C'est des trucs indépendants, quoi. Pas vraiment utile. Mais les choses indépendantes, des indépendants, je peux commencer à les vendre. Parce que c'est vrai que j'en ai plein, et maintenant, je suis quasiment certain de plus les utiliser. Après, je peux les mettre... Parce qu'à chaque fois, vu que les combats se font jamais en même temps... Sprinting to position. Du coup, on intervertit les équipements. C'est le mieux qu'il faut faire ça. S'ils avaient fait un mode où tu peux pas faire ça, genre si l'équipement est pas, je sais pas, genre on va dire dans le vaisseau ou dans la base où tu es, et que tu puisses pas l'équiper, du coup, là ça serait la merde. Là ça serait bien la merde. Mais bon, vu qu'on peut genre téléporter les équipements. Qui c'est qui a un détecteur de mouvement? Anti-explosion. Détecteur de mouvement. Ah, là. Trouvé. Channel open.
Ouais, c'est toi qu'on t'a... on t'avait détruit en fait. Ou ton arme, ou alors c'est à cause du bras. Bon bah du coup on va tester. Contrôle mental. Ouais, c'est fini. Bon, le contrôle mental, est... ça va, j'ai compris. Non, j'ai bien compris comment ça fonctionne. Genre avec la, l'habilité en elle-même qui dépend du moral de l'autre. Puis après, moins 2 au tour pour des humains. Puis après, si c'est plus gros, c'est plus de points. Ça va, sympa. C'est sympa. J'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. À la limite, faudrait lui enlever son arme et mettre autre chose. So something has survived of the Firebird initiative after all. Stas and Nikolai will be pleased to hear that. They founded the initiative, you know, back in the days when our disagreements went tearing us apart. Strange to think of two people who love each other so much being on opposite sides. But there I go. Involving you in Synedrion drama again. Ça va, on a l'habitude. Now, look. Anything you share with us will be shared with everyone. But there's tremendous symbolism to who you share it with first. Our whole internal discourse is increasingly being defined by the polyphonic tendency and the terraformers. And what you choose to do may affect who comes out on top in this debate. Super, merci. Merci pour mettre tout ça sur mes épaules. Alors, l'humanité doit primer, partager avec les terraformers. Nous devons guérir, pas dominer, partager avec la tendance polyphonique. Nous ne voulons pas être impliqués dans le conflit interne de Synedrion, partager avec tout le monde. Ah oui, oui, ouais, d'accord. Je sais pas, les terraformers, moi, ça me semble mieux. Polyphonique, en gros, c'est vivre avec. En gros, leur idéologie, hein, je crois. C'est vivre avec. Terraformer, c'est reprendre, en fait. Honnêtement, vu la gueule de la planète, vivre avec, ça va être compliqué. Hein. Hein, vous avez vu, la brume, elle est partout. Les créatures, elles sont partout. Je vois pas trop comment on est supposé vivre avec. À part, l'apocalypse où tous les jours t'es pas sûr quand tu te lèves, t'es pas sûr de que tu vas te rendormir le soir quoi. Il y a des grandes chances de crever. Donc non. Après ça je sais pas trop ce que ça va donner. Mais bon, s'il faut c'est juste du moral en fait, ça c'est du soutien par rapport aux autres factions. Mais ouais, moi je vais rester avec les terraformers. On avait pris terraformer au début avec les graines là. Donc on va continuer comme ça. I'm not surprised. Some people think the terraformers are unusual or extreme, but what they're advocating is pretty much what humanity has always been trying to achieve. Okay. Je pense que ça, on aurait dû le faire il y a un peu... Enfin, il y a... Ouais, pas il y a longtemps, mais bon. Nouvelle base Phoenix restaurée. Ah, elle est dans la brume, la base, non? Elle va se faire attaquer. Ouf. Ah ouais, on a pris... C'est quoi qui coûte le plus cher? Ouais, bah la tourelle, oui, c'est vrai que ça fait cher. Oui, non, c'est la tourelle, en fait, surtout qui coûte cher. Ouais, et la tourelle. Alors du coup, ça nous a donné ça. Ouais, ça tombe mal. Il y a un labo à réparer. Ça tombe super mal, c'est bien. Alors, les nanites médicales. L'application d'une nanotechnologie avancée sur nos processus médicaux pourrait aider à augmenter l'efficacité de nos installations médicales. La guérison de la station médicale est augmentée de 50% et 20% de bonus de guérison en combat. Ouh, ça c'est bien ça. 3 jours par contre. Ouais, c'est pas mal ça. 3 jours, c'est énorme quand même. C'est un peu trop même. En train de me demander si c'est vraiment utile de faire la technologie mutation avancée.
Ben, si, on verra. Bon, ben, on va s'arrêter là. Bon, ben, c'était une belle mission. Ça va, c'est cool. Ouais, on est en train de faire la tourelle. J'ai une tourelle d'avance ou pas, du coup? Parce que je crois que j'en avais une. Je crois. Non, la réponse est non. Non, je n'avais pas de tourelle d'avance. On peut augmenter sa volonté. Lui, je sais pas trop quoi lui augmenter. En fait, lui, il lui faudrait de la volonté, de la puissance, même de la distance, parce que si on aide à soigner et tout ça. Enfin, bref. Lui, ouais, lui, il faudrait plein de choses, en fait. La puissance pour porter. C'est combien? C'est 3 heures pour faire une tourelle? On peut faire la tourelle d'abord et l'hélios après. Après les grenades, je crois que j'en ai encore quand même de côté. Je peux même pas la réparer là. Comment ça s'appelle? La base. On en a encore ça. Par contre, c'est moi ou à un moment, genre j'étais. Ouais non, mais c'est parce que j'ai utilisé beaucoup pour refaire les munitions. Bon, ça fait un peu chier. C'est pas grave, on va voir ce qui va se passer. Bon, bah, ça sera tout pour cet épisode. Ça, c'est cool. Peut-être que du coup, ouais, on va envoyer, je pense, la même équipe. Pour aller faire ça, on est juste à côté. Je pense qu'on peut les envoyer comme ça. Je vais voir un peu, Helios. Ouais, ils sont fatigués. Je crois que c'est 10. Peut-être que j'irai les soigner. Vite fait. Et après, on... De toute façon, il n'y a pas de médical ici. Il y a un labo de recherche et tout. C'est combien, ça? Oh, putain. S'il n'y avait pas de la tech à chaque fois, ça serait bien. Genre ça, peut-être, faut le faire. Hein. Si jamais je me fais attaquer. Il n'y a même pas de générateur. Ah non, si, il y a un générateur. Ouais, la bonne recherche, ouais. Je sais pas. Très bien. On va s'arrêter là. Merci beaucoup d'avoir regardé. La prochaine fois, ça sera encore une mission d'histoire si je dois pas défendre et tout ça. Bah du coup, ça sera les Helios qui vont... Ah, c'est les nouveaux sites, je crois. Ça doit être des nouveaux sites. Vous savez, il parlait des sites boostés, là. Je sais pas quoi. Il y a aussi la tanière que je dois faire... Ouais, on a trop de trucs. Il y a la citadelle que je voudrais bien faire aussi. Bon, ça c'est -1, -1. Ouais, à la limite, la tanière. La tanière, un peu plus, ça nous augmentera la diplomatie. On n'est pas encore aligné avec Synédrion, par contre. On va voir. Ah, en tout cas, ça sera tout. Merci beaucoup d'avoir regardé, à la prochaine. Portez-vous bien, ciao ciao!